Fabienne Cara est la plus heureuse des femmes. À 43 ans, la comédienne est l'une des actrices les plus connues de sa génération, mais elle est tout aussi épanouie dans la sphère privée. Si elle était déjà bien entourée par ses proches, dont sa sœur Carole, vue dans l'émission Recherche appartement ou maison avec Stéphane Plaza, elle a fait l'une des plus belles rencontres de sa vie le 6 décembre 2021, celle de sa fille Céleste. Ce week-end de fin février, Fabienne Cara a voulu retracer les premiers souvenirs avec sa fille. Elle s'est donc rendue à Nice, ville où elle a accouché, avec son bébé Alain, l'homme dont elle est tombée amoureuse et qui est devenu le papa d'amour, tout court de sa tête brune. Pour immortaliser ce séjour niçois très important, Fabienne Cara a posté un selfie d'elle, de son amoureux et de la petite Céleste réunie, week-end de pèlerinage pluvieux sur les traces du lieu de naissance de Céleste avec son papa d'amour, tout court, toujours, Alain. Il y a 426 jours, ce jour de dimanche 5 décembre 2021, j'allais rentrer à 17h à la clinique Santa Maria et j'allais passer une des semaines les plus éprouvantes de ma vie, mais ça valait le coup. Fabienne Cara a poursuivi, aujourd'hui, je reviens à Nice avec ma grande fille en pleine forme, mon chéri dans un hôtel douillet, bien heureuse, bien accompagnée et sans douleur, ni au corps, ni au cœur. Merci encore tellement à mon amie Johanna Marcucci, ma sœur Carole et ma Mimi pour leur soutien et présence. Un véritable moment de bonheur qui n'aurait sans doute pas la même saveur si le bel Alain n'était pas entré dans sa vie.